Le gros récap mercato du 7 août 2023. On commence par les officiels. Le PSG annonce l'arrivée de son nouvel attaquant Gonçalo Ramos. Ainsley Maitland-Niles est officiellement joueur de l'OL. Yann Sommer s'engage à l'Inter Milan. Gianluca Scamacca quitte West Ham et rejoint l'Atalanta. Naples s'offre le défenseur brésilien Nathan. Eliakim Mangala rebondit à Estoril au Portugal. C'est proche de se faire. Neymar a demandé à la direction du PSG de le vendre cet été. Tottenham a encore dit non au Bayern pour Harry Kane. Bernardo Silva a demandé à Pep Guardiola de le laisser quitter Manchester City. Ansu Fati n'est pas chaud pour quitter le Barça cet été. Convoité par Al Hilal, Joao Félix ne veut que le Barça. Enfin, les rumeurs du jour. La MLS voudrait attirer Kylian Mbappé dans ses rangs. Manchester City veut concurrencer le PSG pour Bradley Barcola. Le Barça pourrait faire venir Vitor Roque dès cet été et ne pas attendre 2024. Mohamed Salah a reçu une offre démentielle d'Al Ittihad avec un salaire de 180 millions d'euros. Les Saoudiens veulent aussi s'offrir Victor Osimhen. Naples a fait une proposition au Celta pour Gabri Vega. Al Hilal veut enrôler Jonathan David. Monaco pense à recruter Eli Wahi. West Ham a fait une offre à Manchester United pour Harry Maguire. Le RC Lens veut se renforcer avec Follarine Balogun. Rendez-vous demain 21h pour un nouveau récap mercato. Si tu as aimé la vidéo, like et suis-nous.